Non riesco a immaginar come potrei mai stare senza te. Sei la certezza che io non ti perderò, dovessi anche morire, difenderti dal male, io non ti lascerò. D'un département, de plusieurs départements, d'une région entière, de deux régions. C'est cela que ce soir, nous voulons porter sur les fonts baptismaux en faisant rentrer ce lieu dans la Guilde internationale des fromagers sous la protection du saint patron des fromagers, ce pâtre compagnon de Saint-Eguzon. J'appelle monsieur André Belzoun. Venez par ici. Merci. Monsieur André Belzoun est avocat au bureau de Mulhouse. Il est ancien bâtonnier de l'ordre, président de l'école d'avocats de Strasbourg. Il est aussi, à titre gastronome, membre du club français du vin, et il doit donc très naturellement entrer dans notre confrérie, car le vin, lui, n'a été inventé que pour déguster le fromage. En sus, c'est un sportif, ski, vélo, c'est un chasseur. Pour toutes ses bonnes activités, nous avons été bien contents de l'inviter à nous rejoindre dans la Guilde des fromagers au titre de compagnon, et que nous recevons aujourd'hui en lui offrant les insignes, les grades de notre ordre avec nos compliments. Merci. Soyez les bienvenus. Merci. J'appelle monsieur Martin Schickel. Il est aussi membre de la confrérie Saint-Étienne. C'est un fils d'agriculteur de montagne. Il a fabriqué du Munster toute sa vie. Il s'est occupé des vaches vosgiennes que vous avez pu admirer tout à l'heure. Et pendant toute sa jeunesse, c'était son activité. Depuis, il a grandi. Il dirige comme PDG 3 sociétés en Europe, dont Libère France. Nous sommes heureux d'œuvrer ensemble pour la promotion, la défense de notre fromage régional. Il a le nom pour qui de tenir et nous sommes contents de le recevoir dans notre guilde avec tous nos compliments. Soyez les bienvenus. Un autre problème, il est restaurateur. Propriétaire, maître restaurateur, chef cuisinier du Lion d'Or à Rosedeau. Si vous ne connaissez pas, je vous confirme l'adresse. C'est un magnifique établissement. Il est confrère de l'asperge de Village Neuf, il est confrère de la choucroute alsacienne, il a 2 fourchettes au Michelin. Je pourrais en dire encore beaucoup, il a une belle cave, la grappe rouge dans le Goemio 2013, sa choucroute avec son filet de truite, ses incontournables Chateaubriand, qu'on ne voit pas souvent. Enfin, tout ça est agréable, nous le recevons donc avec beaucoup de plaisir comme grand gastronome et grand receveur de fromage dans notre guilde avec nos compliments, et le prévôt va vous donner la médaille qu'il faut. Merci Théo. Merci. Un monument de la culture alsacienne, il œuvre à l'université du Rhin à Mulhouse, je dirais entre autres. Vous présenter Gérard, c'est impossible, dans les minutes disponibles, surtout qu'on a freiné les discours. Il est co-auteur de plus de 30 ouvrages sur le patrimoine culturel de l'Alsace, vous voyez ce que ça veut dire, et principalement de la vallée de Munster. Il a X recueil de poèmes, il est créateur, conteur, bretzel d'or de l'animation culturelle, il est chanteur avec les Lustigemälker. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 40 ans, il est venu animer, tout jeune, tout beau, avec ses collègues, une fête de Noël de la laiterie Schmittlin. Vous voyez les souvenirs. Je m'en souviens, avec ma famille qui est ici très bien. Merci Gérard pour tout ce que tu fais pour notre Alsace et ses traditions. J'en dis pas plus, mais notre guilde et confrérie est heureuse de te recevoir et de savoir que tu œuvres dans le bon sens. Merci. Et toutes les félicitations.
Rhin, il était conseiller d'élevage, notamment en vache laitière. Vous voyez qu'il n'a aucun mérite. Il est chevalier, cependant, de l'ordre du mérite agricole depuis 2003. Il a la médaille d'honneur agricole vermeille en 99 et en or en 2003, entre autres. Il est arboriculteur, il est distillateur, c'est un retraité heureux, marié, deux enfants, sapeur-pompier volontaire, toujours disponible. Quand on lui a dit garde à vous, il est venu, il est là. Merci Jean, et reçois donc l'insigne de notre confrérie avec nos félicitations. Alors là, mesdames et messieurs, c'est pas simple du tout. Nous intronisons un, en tant que compagnon d'honneur, compagnon, ah oui, en 18 Messidor de l'an 200, journée de la rue. Bon, d'abord, ne pas nuire. Parler d'un médecin généraliste de surcroît conseiller prud'homal, n'est-ce pas un doux euphémisme ? En effet, l'avantage que possèdent les médecins, c'est que lorsqu'ils commettent une erreur, ils l'enterrent tout de suite. Si aujourd'hui l'optimisme est une nécessité impérative afin de sauvegarder sa santé mentale, notre compagnon en est l'incarnation parfaite. Il préfère cultiver l'amitié, partager la nourriture, que prescrire un médicament. Avec lui, nous adhérons de réchef au vieil adage. Ne prenons pas la vie trop au sérieux, de toute façon, nous n'en sortirons pas vivants. Nous l'accueillons avec fierté et enthousiasme, parce que c'est notre ami. Sa famille, c'était des laitiers de Haute-Saône, avec lesquels j'ai travaillé 20 ans. Et donc, heureux retraité remplaçant, il nous vient de Lorraine, tout va très bien. Merci d'avoir accepté d'entrer dans notre confrérie avec nos compliments. Il aime les fromages et nous sommes heureux. À son baptême, ses parents ont choisi pour être son parrain, pour la vie au sein de notre famille. Aujourd'hui, je suis fier de pouvoir le parrainer à nouveau pour son entrée dans cette autre belle et noble famille, celle de la Guilde des fromagers. Julien s'investit dans son métier avec beaucoup de professionnalisme, remarquable. C'est pourquoi je suis très heureux de vous le présenter et de vous demander de reconnaître son mérite et de l'accueillir parmi nous. Je suis obligé de parler en allemand parce que j'ai pas le choix. Ich hans klärt, wie Mursmühl in Elsass aufgewachsen ist, aber ich stotter auch wenig ab und zu, das macht nicht. Das Herz ist mit dem. Ich bin froh, dass ich zu uns komme. Wir sind ein ganz großer Professionell im Gas und auch im Wein mit der besten Schulung für Patissier. Konditorei hat es erklärt. Und jetzt ist sie eine große Gasmadame von Deutschland. Und ein großer Kunde, sie hat lange Jahre geschafft beim Andex Gas Alm. Das ist einmal gerade, und ich gesagt habe, du musst schon ein Schabitter gemacht haben vor 10 Jahren. Und jetzt ist sie ganz frei, hat sie geschafft aufgemacht und verkauft unser französischer Gas euch in Deutschland. Mit, das ist gut für unser Kommerz. Ne? Also, 20 Jahre haben wir das verdient. Wir sind froh für Ihren Empfang in unserer Gilde. Da kommen wir schön an der Hoffler. Das werden wir im Geschäftsjahr in der Büro. Ne? Und sind glücklich, wir sind alle einig. Die Hälfte nicht verstanden, das Wort. Bravo! Okay. On est tout dans le métier et là, on se connaît mieux, puisqu'il parle français et il est fromager. Fromager, il dirige une très belle crèmerie et fromagerie à Saint-Louis. Alors vous me direz que c'est près de la Suisse, j'espère qu'il a beaucoup de clients là-bas. En tout cas, il est là, il tient et il fait de très belles choses. Il choisit, bien sûr, il trie ses fournisseurs de fromage. Il affine lui-même ses fromages dans sa cave, je l'ai vu. Il est acheteur de lait cru, de crème crue. Il fabrique son beurre pour le plus grand plaisir de ses clients. J'en ai même reçu. Et je l'ai dégusté, c'était du beurre cru, remarquable. Ces petits chèvres frais, quand on les déguste, nous flattent le palais.
grâce aux délicates et diverses épices dont il les enrobe. J'ai apprécié quand je l'ai chassé, parce qu'au début, je fréquentais peu. Saint-Louis s'est plus tourné vers Bâle que vers Mulhouse. Et donc, j'ai été tout étonné de savoir qu'un petit Français, là, arrivait dans notre Alsace et réussissait, à l'ombre peut-être d'Anthony, mais de faire du très bon travail, reconnu par tout le monde. Il faut donc qu'il vienne dans notre guilde. Avec plaisir, nous l'accueillons en lui offrant aujourd'hui, avant l'entrée, l'insigne et les diplômes de notre ordre. Avec compliments. J'appelle Madame par hasard. C'est notre crémière d'Alsace. Elle ne cesse depuis ses débuts qu'elle a effectué tout doucement, sur la pointe des pieds, de nous surprendre. Je parle d'une société qui s'appelle Froberest la Crémière, que j'ai eu l'honneur de diriger il y a pas mal d'années, plus de 10 ans. Au départ, ça constituait pour elle un véritable défi, c'est devenu une véritable passion. Elle a aujourd'hui autant d'appétit que pour un comté de 18 mois. Les plateaux qu'elle confectionne nous laisseraient presque penser qu'elle est tombée dans le fromage toute petite, comme d'autres dans la potion magique. Il nous semblait donc sain d'encourager cette vocation, et son patron me l'a conseillé, lui offrir la reconnaissance qu'elle mérite, avec toutes nos félicitations, l'insigne et le diplôme de notre ordre, et nos compliments. 80 ans, c'est un peu... Oui, je me suis un peu trompé. Bon, il est passionné de fromage, il est passionné de fruits, surtout la Mirabelle, qu'il aime liquide, mais d'un certain âge. André est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, car finalement, il fait ce qu'il aime. Je le connais depuis de longues années, à travers son patron et autres. Eh bien, c'est parce qu'il aime son métier, qu'il aime faire partager sa passion, que tout naturellement, il a été accueilli. Les bras ouverts, et est aujourd'hui très apprécié par d'autres passionnés, même outre-Rhin. Il est donc important de consacrer ce point gastronomique entre deux cultures, il sait conjuguer tout ça, de récompenser comme il se doit ces années passées au service d'une si noble cause, et donc tout naturellement, j'ai plaisir à l'accueillir au sein de notre guilde, avec nos compliments, et lui donner l'insigne et le diplôme de notre ordre avec nos compliments. Merci, bravo André. C'est un moment tant attendu. C'est un moment familial. C'est un moment de véritable bonheur. Parce que lorsque la filiation est présente, la guilde aussi remplit pleinement son rôle. Que de plus naturel que de coopter aujourd'hui Nathalie, qui œuvre depuis de si nombreuses années auprès de son père et de sa maman, et qui a été bercée depuis sa prime enfance entre les paquets de beurre et les litres de lait, sans compter les palettes de yaourt. Alors aujourd'hui, Nathalie, ce que je veux dire, c'est que cette filiation, elle est d'autant plus réussie que vous reprenez les activités de votre papa. Au fur et à mesure, c'est sur vous qu'il porte toute son attention pour continuer l'âme Schmitt, l'âme fromagère. Et ce n'est pas pour me déplaire que ce soit une femme qui fasse ce rôle, parce que vous avez des frères qui sont très méritants, bien entendu, et simplement un est très pris par une jeune femme japonaise à qui il vient de faire 2 très beaux enfants, et la grand-mère, à ce qui paraît, est passée maintenant élite Sky sur les vols d'Air France, tellement elle pratique les allers-retours Paris-Tokyo. Et là, elle en revient encore une fois, car le fils chéri vient de mettre le 2e au monde, et sachez que pour la maman, elle ne me voit pas, mais certainement si, qu'elle si, me fusille. Elle me fusille du regard. En tout cas, on est très heureux pour la famille chez Schmitt, parce que rien ne nous fait plus plaisir ici, devant vous, que d'accueillir Nathalie comme elle le mérite, c'est-à-dire sous vos applaudissements, car elle devient ce soir garde et jury de notre ordre. Bravo. J'appelle M. Denis Das. Comme ce sont des Indes, moi je fais la bise.
Il n'a même pas fait la visite. De bien connu chez nous. Depuis 1995, il est éleveur, producteur laitier, producteur de veau de lait. Il est président, entre autres, de la FNSEA, de la FTSEA 68, c'est-à-dire la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Il est aussi président de l'abattoir de Cernay. Il est maire à Gommersdorf. Il est fédérateur promoteur d'un projet GIE qui est constitué pour la vente en cassette directe du producteur au consommateur de 10 kg de viande de l'étable à la cuisine, qui appelle ça. Et vous verrez ça dans les prochains mois dans les journaux. Et même par Internet, vous pourrez acheter cette viande. Donc vous voyez qu'il a une activité fabuleuse. Il se dépense sans compter pour qui ? Beaucoup pour les autres. Nous reconnaissons son travail parce que nous le connaissons depuis longtemps. Nous sommes donc heureux de l'accueillir chez nous, non seulement en tant que président, mais en tant qu'homme, en lui donnant les insignes de la guilde avec nos compliments ainsi que son diplôme. Merci Denis d'être venu et tu l'as bien mérité. On est très heureux de vous recevoir. Il suit comme une ombre M. François Schmittelin et lorsque je réserve une chambre pour que François puisse assister à un chapitre, je prends soin de réserver une chambre avec deux lits jumeaux de telle façon à ce que François fasse une route le plus agréable possible avec son compagnon Jean Tagalowski. Oui. Chèvre de la Penzelle. Il nous vient donc du canton de la Penzelle. Et sincèrement, c'est un grand professionnel que nous avons le plaisir d'avoir ce soir aux côtés de nous. C'est, moi je l'appelle comme ça, Visicor. Son véritable prénom est Aloïs, mais lorsque l'on est intime, on peut l'appeler Visi. Vous savez d'où il vient, c'est une personnalité en lui-même, rien que sa carrure veut dire ce que l'homme représente. C'est un orfèvre fromager, c'est monsieur Pierre Michel, bien connu de toute l'Alsace et au-delà. Lorsqu'il y a quelques années, quelques dizaines d'années, on parlait de la petite fleur de Yoplait, un homme qui est ici juste à côté, y était pour beaucoup de choses. Lorsque l'on a connu l'époque de gloire de la fromagerie de l'étoile du Vercors, cédée par monsieur Bérourier et repris de main de maître, par un homme qui a voulu toujours garder ce Saint-Marcellin dans l'artisanat, eh bien, il est là à nos côtés. Aujourd'hui, il est président de la région Rhône-Alpes du MEDEF, et mon petit doigt me dit que l'élection qui vient de se passer à la tête du MEDEF ne sera pas sans conséquence pour ses loisirs, parce qu'il va être appelé certainement à des très hautes fonctions. Eh bien, nous avons le plaisir de l'avoir à nos côtés, c'est un fidèle de parmi les fidèles, c'est Bernard Gault. À Rungis, dans les grossistes, collectivité synonyme qualité. Eh bien, nous avons la chance d'accueillir un grossiste de Rungis, réellement emblématique de par sa carrière, qui elle aussi, aujourd'hui, il est ravi parce que, excusez-moi, la transmission est assurée par son fils. J'en suis fort heureux, la collectivité de Rungis est portée par notre ami Didier Maître. L'Alsace, on le sait, dans le guide Michelin, est la région de France qui a le plus de 3 macarons, de 2 et de 1. Sincèrement, dans les fromagers, on pourrait dire qu'il en est de même, tellement les talents fromagers dans cette belle région sont florissants et sont nombreux. Aujourd'hui, nous avons à nos côtés l'homme qui a préparé avec son fils le buffet de fromage, monsieur Bernard Anthony. Pour avoir supporté chez Bongrain Gérard des très grands patrons, tous plus exigeants les uns que les autres, je dois dire que c'est une femme qui a gardé absolument un sourire éblouissant et une douceur et une gentillesse. Aujourd'hui, elle en a un qui est pas plus difficile, pas plus facile que les autres, mais en tout cas toujours très exigeant. Elle est la secrétaire de direction de Bongrain Gérard et de son patron directeur général, c'est madame Odile Balavernet. À
À ses côtés, pardon. C'est vrai qu'on est environné, on est dans un environnement de coteaux ici. À ses côtés, un vieux compagnon de route lui aussi, qui pendant 30 ans a œuvré chez Isigny Sainte-Mère, une coopérative bien célèbre en Normandie, et qui était directeur général commercial France. Depuis quelques temps, il a repris sa liberté, je vais le dire comme ça, et il a créé sa petite société. Et puis, il est appelé de nombreuses compagnies, de la part de nombreuses compagnies en France, en Suisse, en Hollande, en Belgique, pour aller vendre leurs produits auprès des grandes surfaces. Sincèrement, auprès des acheteurs de ces grandes surfaces. Il a un métier pas facile. Ceux qui pratiquent la GMS savent combien les négociations sont particulièrement difficiles. Eh bien, mon Pierrot n'est jamais départi de son sourire, et il faut croire qu'il réussit particulièrement, puisque les commandes grossissent et que toutes les compagnies qu'il emploie en sont particulièrement heureux. Au sein de la guilde, c'est un fidèle parmi les fidèles, et Dieu sait si avec François, nous avons parcouru quelques millions de kilomètres. J'ai grand honneur ce soir de vous présenter notre garde du Sceau, secrétaire général, Monsieur Pierre Couzeau. À Froberest, pour développer les talents de l'enseigne La Crémière, il fallait, aux côtés de M. Malherbe, une jeune femme de grande qualité et au charisme indéniable. C'est aujourd'hui elle qui en a la responsabilité, si j'ai bien compris l'organigramme, mais peu importe, au quotidien, en tout cas, elle a la charge de développer les crémières de l'Alsace et d'Allemagne aussi. C'est pourquoi elle a été faite prud'homme il y a l'année dernière, de notre ordre, et je suis intimement convaincu que ses talents feront d'elle une maître fromagère dans peu de temps. En tout cas, ce soir, je vous demande de l'applaudir. Il s'agit de Salia Ronger. Et notre prévôt, je dois le présenter quand même. Roland Barthélémy, ancien fromager, propriétaire d'entreprises de détail, et notre prévôt à tous depuis pas mal d'années. Nous le suivons fidèlement et nous maintenons la guilde et nous la faisons grandir. Il est responsable de l'internationalisation avec succès de notre confrérie. Merci, Monsieur le Président. Je reconnais bien là, il m'a coupé l'herbe sous le pied parce que c'était moi qui devais le présenter, alors je vais quand même le faire. Oui, moi, je suis connu. Il est connu, mais la première fois que je suis allé à Mulhouse, d'un seul coup, j'avais pas de GPS, je cherchais la rue pour trouver l'entreprise Schmittlin. Et j'arrive devant un mur et qu'est-ce que je vois? Magnifique trompe-l'œil, Schmittlin, la laiterie Schmittlin. Depuis, à chaque fois que je vais à Mulhouse, je n'ai pas besoin de GPS, je cherche le mur, c'est le mur de l'amitié, c'est le mur de la qualité, le mur de la fidélité, François Schmittlin. Reçu compagnon d'honneur. Il s'appelait Martin Seigneur, Jean-Martin. Monsieur Jean-Luc Lang est syndic de la confrérie Saint-Grégoire. Donc, il remplace là ce PDG en retraite qui ne va pas bien, qui ne va pas très bien, qui n'a pas pu venir, et que je connaissais parce que j'étais son client pendant des années à lui et à son père. La confrérie de Saint-Grégoire est une confrérie spécifique au master. Il va nous en dire deux mots, s'il veut bien. Oui, donc la confrérie est spécifique au master, effectivement. Nous faisons plusieurs chapitres par an. Nous en avons offert un au mois d'avril ici, dans ces lieux. Nous avons intronisé 8 nouveaux confrères. Le prochain chapitre aura lieu à Rosheim début août, lors de la fête du fromage. Donc venez nombreux regarder notre chapitre et notre cérémonie à nous. Voilà. Nous sommes heureux de vous recevoir dans notre guilde international des fromagers. Et là, c'est tous les fromages. Donc, voici l'insigne et le diplôme de notre ordre, avec tous nos compliments, monsieur. Oui. Monsieur Norbert Schickel. Vous savez que les Schickel, je les mélange. Mais là, c'est bien sûr le président de la maison du Münster, où nous sommes reçus aujourd'hui. C'est bien lui. Il y est depuis 2011 et il œuvre pour faire grandir ce que vous avez vu.
nous ne parlerons pas de son parcours d'ingénieur dans le civil, mais surtout de l'engagement au service de ses concitoyens, de la communauté des communes de la vallée de Munster, en plus de son mandat de maire à Eschbach-Oval. Imaginez ce que ça veut dire. Il est donc dans tous les coups, il sait tout ce qui se passe, et il fait pour le mieux. Regardez la belle maison que nous avons visitée aujourd'hui et qui s'agrandit.